la question, ce serait pourquoi on argumente, c'est ça? Pourquoi on doit argumenter? Pourquoi on... Et comment prendre en considération aussi les arguments des autres? Déjà, on va déjà prendre une question. Pourquoi on argumente? Ça va? Eh bien, allons-y. Qui aurait une hypothèse? Pourquoi on fait ça, juste? Parce qu'on voudrait que les gens pensent comme nous. Alors, donc, hypothèse, il faut me rappeler vos prénoms. Jeanne. Alors, Jeanne, elle propose pourquoi on argumente? Parce qu'on voudrait que les autres pensent comme nous. Est-ce qu'il y a des personnes... Alors, on va reprendre notre règle, vous vous souvenez, vivement, réfléchir. Est-ce qu'il y a des personnes, déjà, qui n'ont pas écouté Jeanne? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes... Est-ce que quelqu'un ne serait pas capable de répéter ce qu'a dit Jeanne? Non? Bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Jeanne? C'est pas pour cette raison-là qu'on argumente. Catherine, pour que les autres, pour convaincre les autres, hein, c'était oui. Argumenter. Mais des fois, on est obligé d'argumenter juste pour répondre à des questions. Donc, si je, ça serait pour répondre à une question. Oui, c'est là, pas seulement pour convaincre les convaincre autres. Les autres. Ouais. Alors, qui voit la différence entre ce que dit Jeanne et ce que dit Catherine? Oui. Je pense qu'on essaye de convaincre les autres pour tenter de les ramener à notre cause, en tout cas, donc c'est comme nous. Donc là, c'est Jeanne. Ouais. Et quand on répond à une question, est-ce qu'on sait déjà? Presque autre chose. C'est quoi la différence donc, entre les deux? Ouais. Catherine, quelqu'un qui répond à une question, est-ce qu'il sait déjà, il connaît déjà la réponse? Pas nécessairement, je pense. Pourquoi faudrait aller voter? Sinon, on est convaincu qu'il faut aller voter. On ne veut pas forcément imposer à l'autre d'aller voter, mais on va lui dire pourquoi. Nous, on estime pas. Hein, je suis pas convaincue du fait qu'il faille aller voter, non, mais j'aime bien comme ça. Il faut quand même argumenter. Mais répondre à quand quelqu'un te pose une question, toi, tu connais toujours la réponse à l'avance ou pas? Non. Donc, il y a peut-être une différence. Si je veux convaincre quelqu'un, je connais mes réponses. Oui. Oui. Si je veux convaincre, si je veux le convaincre, vaut mieux. Oui. Je connaisse mes réponses. Mais si je réponds à une question, la réponse, je ne la connais pas à l'avance. Et quand je réponds à une question, j'argumente. Et quand je convainc, j'argumente. Donc on voit qu'il y a deux... On a déjà deux raisons pour lesquelles on peut argumenter. Oui. Entre les deux, tiens d'ailleurs, ce qu'on a fait la dernière fois, ça serait plutôt laquelle? Ça serait, est-ce qu'on a cherché les raisons d'argumenter puisqu'on a argumenté la dernière fois qu'on s'est vu? C'était plutôt pour convaincre de ce dont on était déjà convaincu, ou c'était plutôt pour répondre à des questions où on ne savait pas déjà les réponses? C'était plutôt quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était plutôt lié à ce que dit Catherine? Je pense que c'était plutôt lié à ce que dit Catherine. Oui. Ah, qui ne se souvient pas? Trop, non. Alors, qui pense que c'était plutôt lié à ce que dit Catherine? Je pourrais dire pourquoi, du coup. Moi, je pense qu'on construit ça, une réflexion, là. Il y avait un sujet, enfin, il y avait des questions et on essayait de réfléchir et en fait aussi de prendre conscience. Bon, enfin, moi, c'est ce qui a été le principal pour moi, c'est de prendre conscience de pourquoi on dit ça ou pourquoi on avance ça. Et c'est vrai que ça m'a fait travailler pendant les 15 jours, ça, régulièrement. Ça m'a... Oui, j'ai senti que je réagissais finalement autrement déjà. Donc c'était plutôt... Oui, dans ce sens-là. Et apprendre aussi à écouter. Mais oui. Enfin, là, c'était à argumenter. Celui qui est convaincu de ces arguments-là, celui-là, il a déjà ses réponses. Il ne les cherche pas, il les a déjà. Il veut convaincre. Nous, la démarche, c'est plutôt on va chercher. On se met plutôt dans un autre système de pensée. Je cherche, après tout, je n'ai pas les réponses définitives.
Donc, est-ce que quelqu'un aurait autre chose sur pourquoi on argumente? Donc, pour convaincre, là, ça serait plutôt, si on voulait résumer en un mot, si on voulait ramasser en un mot l'idée de Catherine, ce serait quel mot? Pour Jeanne, c'est convaincre. Et Catherine, dans son idée, ce serait quel mot? C'est raisonner. Hein. Ouais. Raisonner. Oui, justifier une position. Comprendre. Raisonner. Ça. Chercher. Oui, changer sa pensée. Oui. Chercher peut-être. Autre chose sur pourquoi on argumente? Une autre idée? M'apporter quelque chose. M'apporter quelque chose. Pour justement argumenter plus. Ouais. J'ai oublié ton prénom. Marité. J'argumente pour m'apporter quelque chose. Ouais. Qui est d'accord avec Marité? J'argumente pour m'apporter quelque chose. Personnes sont d'accord avec elle. Personnes qui sont d'accord, est-ce qu'elle pourrait essayer d'argumenter, de préciser un peu? Parce que là, on a un argument, il n'est pas évident. En quoi argumenter va m'apporter quelque chose? Donc il faut faire un lien. En quoi qui peut que oui, alors se convaincre de quelque chose aussi, de ses croyances, ce que ça m'apporterait. Ça, oui, ça a un lien avec Marité. Ça apporterait quelque chose, se convaincre également. Ce que ça m'apporterait, ce serait une conviction. Voilà. Si j'argumente, ça va m'apporter une conviction. Une croyance. Ouais. Alors. Sinon, vous moi. Attends. On va déjà écouter Benoît, c'est ça? Je viens de Benoît. Déjà, si ce que dit Benoît, ça a du sens. Hein. Qu'est-ce que je cherche à m'apporter? C'est une conviction, une croyance. Est-ce que quelqu'un voit un problème dans cette réponse? Une conviction, une croyance. On examine les problèmes. Hein. Et puis Benoît, il se rassurer. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit un problème dans ce qu'elle dit? Donc, je ne suis pas d'accord avec Benoît, vous verrez un problème dans ce qu'elle dit. Si on parle de croyance, on n'est plus sur du raisonnement. Enfin, c'est... pas comment dire plus, mais voilà. Si on parle de croyance, on n'est plus sur du raisonnement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Benoît, qu'une croyance, ça serait justement ce qui n'est pas raisonné? Ça dépend de la croyance. Alors là, ça dépend de la croyance. Là, je ne sais pas trop ce qu'on en fait dans l'argumentation. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Ah oui, mais est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit bien ou pas bien? Yann, il propose, il dit que croyance et du coup argumentation, ça ne marche pas ensemble. Qui est d'accord avec ça, que croyance et argumentation ne marchent pas ensemble? Ah, ça ne fait pas un tabac, la position de Yann. Ah, Martine, je suis assez d'accord avec ça aussi. Oui, alors maintenant, pourquoi croyance et argument, ça ne marche pas ensemble? Une croyance, c'est quelque chose qu'on ferme, alors que le raisonnement, ça s'est construit et puis ça peut aussi bouger. Alors qu'une croyance, il semble que c'est plus ferme, quoi, plus ferme et définitif. Quoi. Voilà. Un raisonnement, ça s'est construit. Oui. Ça, hein, je reprends tes mots. Oui, disons que ça peut encore se construire. Et voilà, ça peut évoluer. Voilà. Et ça peut encore. Ça peut évoluer. Voilà, on m'a dit. Donc un raisonnement, ça s'est construit et ça peut encore se construire. Une croyance, c'est basé sur établi. Oui, même s'il y a eu un raisonnement avant, quand on a dit une croyance, ça veut dire qu'elle est ferme, quoi, qu'elle est arrêtée. Voilà. Ça va, la distinction que propose Martine, c'est clair pour les autres ou pas? Oui. Une chose, ensuite, vous savez, tout ce qu'on décortique dans la communication, c'est clair, ça a du sens, parce que des fois c'est clair, mais c'est pas très, ça répond pas vraiment à la question. Donc là, on décortique toutes les étapes, c'est clair, est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je suis d'accord ou pas? Parce qu'on peut aussi ne pas dire, ah oui, ça a du sens, mais je suis pas d'accord. On est bon sur ce que dit... Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Martine? Non. Donc on en serait là. L'argumentation, elle s'établit sur un raisonnement. Qui a été établi et qui pourra peut-être encore changer, tandis que la croyance, en principe, elle ne change pas. Ouais. Ou alors, il y a un raisonnement qui va la faire changer. Ouais.
Bon, ça va comme Benoît, t'es... Oui. Ouais. Ok, alors pourquoi on argumente? Donc on a dit pour convaincre, pour répondre à des questions, parce que ça nous apporte quelque chose. Du coup, ça nous apporte de la conviction et de la croyance. Alors on a dit croyance, ça nous posait problème, parce que justement la croyance, elle n'est pas construite. Mais alors, est-ce que ça nous apporte de la conviction? Et ça serait quoi la différence entre conviction et croyance, du coup? Conviction et croyance, c'est des mots qu'on utilise très facilement. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, au fait? C'est quoi la différence entre conviction et croyance? Oui. Moi, dans la croyance, je vois plus un côté affect, oui, d'affect, quelque part. Alors que la conviction, c'est plus... résumé, c'est plus construit. Ça va, c'est Yves. Oui, il y a des personnes pour qui c'est pas clair, hein? Il y a des personnes qui seraient pas d'accord avec Yves. Je pense que la croyance c'est pas basé sur l'affect. Après, c'est basé sur... Mais là, il a une proposition, croyance basée sur l'affect. C'est vrai que pour l'instant, on l'a pas argumenté. Et puis, conviction plus basée sur les raisonnements. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, ils pourraient dire, ah mais je ne suis pas d'accord, non, la croyance n'est pas basée sur des affects, mais il faut argumenter. Eh oui. Parce que et on est prêt à écouter. Si tu n'argumentes pas, tu risques fort d'être dans la croyance, du coup. Non, parce qu'une croyance, c'est quelque chose qui est basé sur de l'abstrait, sur quelque chose qui n'est pas établi. Alors, mais est-ce que tu as fait une opposition à ce qu'a dit Yves? Parce que lui, il dit que c'est basé sur des affects. Et toi, tu dis la croyance, c'est sur des choses qui ne sont pas, établies. Qui ne sont pas établies. Ouais. Mais est-ce que ça s'oppose avec les affects? Non, mais... ça peut ne pas être établi, oui, être sur les affects. D'accord. Donc, tu vois, là, tu n'objectes pas vraiment. C'est intéressant à observer... Là, il n'y a pas un enjeu énorme, hein, mais dans les discussions où il y a des enjeux, en fait, souvent, on n'objecte pas vraiment. On dit autre chose et parfois, ça peut aller même dans le même sens. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi souvent, on n'objecte pas vraiment? Mais après, on a du mal à trouver les mots pour expliquer ce qu'on ressent ou ce qu'on veut dire. Je trouve qu'on n'a pas tout le temps les mots pour expliquer. Donc toi, tu disais ça, c'est peut-être vocabulaire, mais tu es d'accord que ce que tu disais... ça peut aller tout à fait dans le sens de Yves, hein, puisque, précisément, puisque ce n'est pas établi, c'est peut-être nos affects qui vont l'établir. Enfin, qui vont... Oui, qu'une croyance est basée sur l'affect. Hein. Ouais. Tu vois? Oui, mais je ne suis pas convaincue. Que la croyance est basée sur l'affect. Mais alors, est-ce que quelqu'un a une objection à ça? Si on n'a pas d'objection, jusqu'à preuve du contraire, on va prendre ce qu'a dit Yves. Est-ce que quelqu'un a une objection au fait que la croyance est basée sur les affects? Alors, il y a deux. Alors moi, c'est juste une question. Parce que quand on parle de croyance, on ne peut pas. Parce que c'est juste croyance. Soit tu penses plutôt croyance religieuse ou autre croyance. Ben, toutes les croyances. Toutes qu'elles soient, pas forcément religieuses. Après, religieuses aussi, je veux dire, toutes les croyances. Parce que... Ouais. Alors, oui, c'est ça. Si on arrive... Bon, la difficulté avec ce que tu proposes, c'est important... de définir les termes, en même temps, quand on part dans les définitions, après on risque de plus s'en sortir parce qu'on va définir tous les termes qu'on va utiliser. Donc on va prendre l'acception du mot croyance en général, puis peut-être après on va être conduit à faire des distinctions. Parce que c'est différent peut-être. Entre la croyance religieuse ou une croyance croire en soi ou croire en quelqu'un ou... Alors, mais là, pour l'instant, on est à essayer de voir si on peut montrer que la croyance, elle est basée sur... critiquer l'idée qu'elle soit basée sur des affects. Est-ce que quelqu'un peut critiquer ça? C'est pas critiquer que vous... Alors, moi, je voudrais... C'est une critique. Il y a des critiques positives. Mais les critiques, alors... les critiques, on adore. Hein. On adore les problèmes, on adore les critiques. Et donc, est-ce qu'on peut critiquer l'idée que la croyance est basée sur les affects? Sur les affects, sans doute, parce que je pense moi, que les croyances, elles sont même parfois inconscientes. C'est en nous. Et ben, donc, si c'est inconscient, c'est les affects. C'est même né. Enfin, voilà.
Donc c'est plutôt les affects. Mais c'est des croyances. Ouais, quand je dis inconscient, ça veut dire qu'on on a ça depuis tout petit. On nous a inculqué les choses. C'est une transmission, là, c'est plus l'affect. Ah, alors. Est-ce qu'on a une objection cette fois-ci? Puisque Benoît elle tente une objection. Depuis tout petit, on nous a transmis des choses. Voilà. Tu aurais un exemple de croyance du coup qu'on peut avoir depuis tout petit? Bah, la théorie du genre. La théorie du genre, tu peux le préciser un petit peu? Si je suis une fille, je devrais plus. C'est un peu basique, mais porter du rose. Oui. Garçons, une sorte de croyance comme ça. Voilà, par exemple. On nous inculque depuis tout petit. Une fille, elle doit être plutôt douce, gentille, un garçon plus combatif, un garçon mécanicien. Voilà, on peut avoir toutes sortes. Ça va comme exemple de croyance, ce qu'elle dit, Benoît? Alors, maintenant, c'est construit sur l'affect, ça, ou pas? C'est la culture. Est-ce que c'est de l'affect ou c'est pas? De la culture. Qui pense que c'est de l'affect, qu'il y a de l'affect là-dedans? Ça va la question? Puis il faut du temps pour réfléchir. Hein, c'est pas moi-même la réponse, je ne l'ai pas. Hein. Donc, si on reprend ce que disait Benoît, la croyance liée au genre. Cette croyance-là, alors qu'est-ce qui fait qu'on la possède, Sylvia? Moi, je pense que c'est culturel. Là, ce serait culturel. C'est pas de l'affect, c'est culturel. Ouais. Par contre, ça peut venir de l'affect parce qu'on est attaché à ce qu'on nous a dit ou à ce qu'il faut faire. Ou, voilà, je veux dire que bon, dans la famille, on a toujours fait comme ça, les femmes faisaient ceci, les hommes faisaient cela, on veut reproduire ou... On veut continuer à faire plaisir peut-être à nos parents. Et puis, on va se conduire comme ils attendent qu'on se conduise. Quoique, de moins en moins, et peut-être des fois heureusement, je ne sais pas. Et donc, dans ce que dit Sylviane, qui voit un lien entre... Donc, il y a la tradition, mais il y a les affects quand même. Ils sont là. Ouais. C'est quoi le lien alors, si on essaie de résumer ce qu'a dit Sylviane, parce qu'on est chez Sylviane maintenant. C'est bon. Ils sont... Le mot affect, est-ce qu'il pose problème à quelqu'un? Je dirais franchement, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ah, ben voilà, mais ça c'est important. Hein. Oui, mais quand il y a vraiment un problème de vocabulaire, vous faites un petit signe, il faut qu'on définisse ce terme-là. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, les affects? Pourrait donner une définition. On l'a utilisé comme si c'était évident, mais. C'est quoi les affects? C'est lié à l'affectif, non? Ce qui est lié à l'affectif, les émotions, les gens qui nous touchent. C'est ce qu'on perçoit comme sensibilité, enfin la sensibilité qui entre en ligne de compte dans la perception des choses. Ça va, sensibilité, émotion, ce qui fait que. Oui, mais alors pourquoi on ne dit pas affection? L'affection, c'est un sentiment. Je jette des mots qui sont coupés comme ça, il y a des fois, on ne sait plus du tout ce qu'on veut. Ah ben oui. De quoi on parle. Et oui, puis on... Ah ben là, il y a les affects de Marie-Jo qui se mettent, qui se réveillent. Oui. Ouais. Ah. peut-être parce que affect et affection, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai de l'affection. Oui. J'ai de l'affection pour quelqu'un, je l'aime bien. Mais les affects, c'est plus général. C'est-à-dire, j'ai des affects, je peux être en colère contre quelqu'un. J'ai des affects, ce serait plus général que le mot affection, qui désigne plutôt un sentiment positif. Ça va? Donc, affect, c'est un mot assez général lié aux sentiments, aux émotions. Ça marche? Donc, nos croyances, on va pas trop pinailler, parce qu'après, on va se perdre aussi. C'est important de définir les mots, mais après, quand on pinaille, on se perd. Et donc, dans la tradition, il y a des croyances qu'on a par tradition, par exemple, liées au genre, et les affects auraient leur place là-dedans, ou pas? C'est ce que proposait Sylvia. Je pense qu'ils ont un petit peu... C'est culturel, mais les affects ont un peu... Les affects ont leur place. Alors, si les affects ont leur place, comment ça marche que les affects aient leur place avec des croyances comme celles du genre?
Parce qu'on m'a toujours dit, ok, mais ils sont où les affects là-dedans? Oui, Catherine. Mais ce sont les personnes qui nous ont toujours dit, et nous l'ont transmis, et là on est dans l'affect, dans l'affectif. Oui. Nos parents, nos enseignants, oui. C'est notre histoire. Et oui. Donc, vous le trouvez dans le dictionnaire, votre affect? Moi, je regarde encore bien le dictionnaire. Oui, oui. Là, oui bah alors là, on va se faire confiance. Vous regarderez après, peut-être à la maison, mais là, on va faire confiance à notre définition. Elle vous va, notre définition? Ouais. Oui, oui, ouais. Fois, oui. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, Catherine? Oui. Ouais. Et que finalement, peut-être si on croit à ces différences genrées, c'est parce que c'est des gens qu'on aime bien qui nous les ont inculqués. Qu'on aime bien, puis en qui on a confiance. Qui ont fait confiance, nos parents. Oui. Et donc, ça s'imprègne comme ça. Ouais. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ben, oui, je suis plus ou moins d'accord parce qu'effectivement, pour la même culture, enfin, vous l'avez dit, on n'a pas tous la même réaction. Ça veut dire que la sensibilité de chacun intervient. Donc, effectivement, c'est le résultat d'une culture, mais entre l'individu quand même. Donc, on a quand même une certaine liberté, c'est ça? Il y a certains individus qui ne vont pas rentrer là-dedans. Non, non. Mais pour ces individus-là, ça va être par opposition. Oui, mais certains individus vont refuser les rôles qui sont attribués aux filles et aux garçons, par exemple. Puis il y a peut-être des modes aussi par rapport à ça. Certains, déjà quand l'argument de Catherine, c'est on y croit, on y rentre parce que c'est nos parents, c'est nos éducateurs, etc. Et donc, il y a bien des affects parce qu'eux, on les aime. Mais ce que nous dit Yves, c'est qu'on a quand même une petite liberté. Il y en a certains, certains qui ne vont pas suivre ça. Donc, vous savez pourquoi il y en a certains. En général, on va rentrer dedans, mais certains ne rentrent pas dans ces croyances-là. Et qu'est-ce qui fait que certains n'y rentrent pas, ce que vous savez? Parce qu'il y a d'autres possibilités. Je trouve d'autres possibilités de faire autrement, et puis que ça peut peut-être apporter quelque. Je reviens toujours à ça peut apporter quelque chose aux petits garçons d'avoir une poussette ou voilà. Et comment ils le savent qu'il y a d'autres possibilités, puisque justement on leur fait croire qu'il n'y en a pas d'autres. Bah parce que on a quand même cette liberté de penser autrement. D'accord. Et quand on a cette liberté de penser autrement, du coup, là, c'est notre croyance ou c'est notre argumentation, notre réflexion? Bah, ça peut être les deux, hein. Parce que tu as dit on a la liberté de penser autrement. Oui. Donc, c'est cette liberté de penser qui nous ferait sortir des chemins bien établis. Mmh. Ouais. Et on aurait la liberté de penser qui permet ça éventuellement. Est-ce qu'il y a des personnes sortir du chemin établi? Ça va ce qu'elle a dit ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Marité? Ah, oui. Ah, ça peut être une liberté de penser ou ça peut être juste sentir quelque chose d'autre au fond de soi, se faire confiance à soi et se dire bah, en fait ce qu'on me propose. Je sais pas pourquoi, mais ça me convient pas, quoi. Alors c'est du. Alors c'est pas raisonné, mais c'est ressenti quand même, et ça permet aussi de prendre un autre chemin sans forcément le raisonner vraiment. Mais donc on serait la croyance, nous, on est dans l'affect, mais il y aurait aussi un affect qui pourrait nous en faire sortir. Ouais. Donc qu'est-ce qui nous en fait sortir? C'est plutôt l'affect ou c'est plutôt la réflexion? Comment ça marche? Qu'est-ce qui nous fait sortir de ce chemin tout tracé? Donc là, toi, tu dis,
Marité, c'est peut-être la réflexion, ça a du sens. Peut-être tu dis, et c'est peut-être un affect aussi. Mais pas tort non plus, parce que si on s'ouvre à d'autres cultures, on peut raisonner en se disant bah, pourquoi est-ce que je ferais comme on a dit depuis que je suis tout petit, alors que dans le pays d'à côté, on fait tout autrement, et puis ça me convient mieux, donc je peux choisir. Et là, donc, là on est dans le raisonnement, peut-être plus. Donc, on a les deux. Comment essayer de voir comment ça marche hein, parce que tu dis, ben, je comprends qu'il y a d'autres possibilités. Qu'est-ce qui va me permettre de le comprendre? Donc, ton argument, c'est de voir d'autres cultures. Je vois qu'ailleurs, tiens, là, on fait très différemment. Est-ce qu'on a besoin de voir d'autres cultures, du coup, pour sortir des rails bien établis où il y a des personnes qui pensent non? Pas nécessairement besoin de voir d'autres cultures, mais alors à ce moment-là, comment ça marche? C'est parce qu'on éprouve des fois un sentiment d'injustice, de révolte, et que justement on se sent prisonnier de ces voies toutes tracées. Donc on a envie, non seulement on a la liberté de penser, mais surtout on veut être libre déjà. D'accord, donc ça fait trois, il y aurait trois. Hein? Qu'est-ce qui nous fait sortir des rails de nos croyances? Il y aurait... Un, la réflexion. Deux, voir d'autres fonctionnements. Et puis, un sentiment de révolte. Pourquoi je resterais dans ces rails? Ouais. Ça va, les trois? Ouais. Tiens, et Marité, il y en a dans les trois, laquelle te parle le plus, toi? Sentiment de révolte, une autre culture, ou bien de réfléchir, c'est-à-dire autre chose? De réfléchir, plutôt. Plutôt de réfléchir. C'est plutôt la réflexion qui fait que, non, là, je vais sortir. Ouais, est-ce que, oui, Catherine? Est-ce que sans forcément se révolter, oui. Il peut y avoir une non-résonance? Ça, oui, ça n'y a pas d'écho en nous. Pendant ce que nous... D'accord. Ça rejoint ce que vous disiez. Ça rejoint ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a comment on accède à cette autre culture, oui, quand on a 3-4 ans, des fois, il y a des... on sent des fois qu'il y a des enfants, il y a pas... Je ne trouve pas les mots, ça. On sent que pour eux, ça ne représente rien, ce qu'on peut leur transmettre ou leur inculquer, ou... parce qu'on est dans l'affect, parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Et pourquoi ça ne résonne pas en eux, sans forcément qu'ils aient eu accès à d'autres cultures ou d'autres façons de fonctionner. Donc on peut même être à levier, on n'est jamais parti, et tiens, faire autre chose. Et toi tu dis c'est parce que ça ne résonne pas avec ce que je suis, sans même passer par la révolte. Oui, mais tout est valable. Hein, on essaye pour l'instant. Notre réflexion, elle nous conduit à nous demander, si je fais rembobiner un petit peu, on est parti de l'argumentation des croyances, on s'est appuyé sur ton exemple, les croyances genrées, d'où elles nous viennent des gens qui nous ont éduqués, qu'on aime, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on en sort? On en est là et on a vu qu'il y a quatre raisons en fait, qui pourraient faire qu'on en sort. Toutes les quatre ont du sens, ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec une des quatre raisons? Là, on essaie d'être rigoureux. Personne, non, là, il y a une raison, ça ne va pas, ça ne marche pas. Bien, là, notre esprit critique, on le met en marche. Hein, et on est exigeant, sinon, on va juste se contenter d'un truc que nous dit Catherine, parce qu'elle est gentille. On ne veut pas lui faire de peine. Yann, il a l'air sympa, il a l'air sérieux avec sa barbe et tout. Voilà. On ne va quand même pas le critiquer. mais là, justement... Là, on essaie de mettre nos affects de côté, nos affects pour les humains. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. On les met de côté pour réfléchir. C'est pas parce que Catherine a l'air sympa. Donc on peut critiquer. Et puis même Catherine et même Yann, puisqu'on est dans cette démarche-là, sont très contents qu'on les critique. Donc on a quatre, on a quatre hypothèses. Est-ce que quelqu'un voudrait critiquer l'une des quatre? On a quatre hypothèses. Se complètent, quoi. Okay, on peut voir aussi si quelqu'un peut-être a une cinquième hypothèse
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort des rails qu'on nous a imposés? Il y a peut-être aussi l'évolution de la société, ouais, qui fait qu'on sort également. Il y a une prise de conscience à la fois collective et puis peut-être individuelle. D'accord, donc là, il y aurait quelque chose de collectif. Sociétal. Possible. C'est clair ce que dit, ouais. Mm-hmm. Et il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là. Donc, la société pourrait favoriser ça. Il y a des périodes de la société où ce n'est pas favorisé de sortir, d'autres moments où c'est moins difficile. C'est ça ton idée ou... Non, c'est-à-dire que moi je voudrais. La société évolue et ce qui était vrai à un moment donné ben, ne l'est plus. Oui, mais alors. Donc, bon, peut-être qu'elle crée d'autres voies aussi, hein, qu'il faut, d'autres, il faudra sortir, mais c'est oui, une évolution un peu. Oui, elle va créer de nouvelles croyances. Peut-être on va dire maintenant les petits garçons, c'est terminé, vous habillez en rose. Mais vous avez le droit de pleurer aussi. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous exprimer. Et donc, on va avoir des garçons qui vont se mettre à pleurer, mais ils vont sortir des rails, et puis ils vont remontrer une certaine virilité, au contraire. Mais du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que la société évolue, mais elle risque de fabriquer à nouveau d'autres... Oui, mais... Oui, je prends. Oui, d'autres façons d'être qui seront... dont il sera à nouveau difficile de sortir, même si elles ont l'air très ouvertes. On voit bien, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, certaines, ce qu'on appelle le politiquement correct, hein, c'est pas facile d'en sortir. Donc, alors, est-ce qu'on prend la raison de Sylviane ou pas? Ou est-ce que quelqu'un voit un problème dans cette autre raison qui fait qu'on sort des rails? Qui voit un problème? Yann, il disait une autre culture. Donc là, toi, tu parles d'une évolution à l'intérieur d'une culture. Et Yann, alors. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Une société qui proposerait d'autres normes, c'est d'autres normes, quoi. Oui, c'est ça. Il faudra encore essayer de sortir de cette voie-là. Mais du coup... On sort pas de façon volontaire, on fait que accepter notre norme. On tourne en rond, enfin, on ne sait pas. Parce que quand tu disais que c'était. Est-ce que c'est clair pour toi ce que dit Yann? Oui, bah en fait, je l'ai presque dit en disant qu'on va vers d'autres normes, où, et puis il y aura d'autres voies, et puis à un moment donné, on se dira, ben non, je ne veux pas rentrer que dans cette. Voilà. Mais ce que je voulais souffler. Finalement. Ton autre voix, elle ne fonctionne pas vraiment. Puisqu'on est en train de dire que c'est individuellement qu'on sort des rails et des croyances générales. Par rapport, oui, d'accord. Mais des clichés sur lesquels on a des fois, enfin je dis clichés, je ne sais pas, on a été éduqués, mais si nos parents nous ont des fois éduqués comme ça, ou nous les enseignants et tout, c'est parce que c'était la société qui était comme ça. Ce n'est pas eux qu'on choisit de nous mettre... C'était quand même bien un phénomène de société. Oui, ça ne contredit pas ce que dit. Du phénomène de société dont on s'inscrit et ça demande toujours un effort individuel d'en sortir. Oui. Et ça se renouvelle tout le temps. Et ces efforts individuels, ils peuvent venir en comparaison avec une autre culture. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Et puis, je pense autre chose. Et c'était quoi la... Qu'on se sentait prisonnier. Ah, voilà, je me sens prisonnier, c'est donc, la révolte. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Je veux en sortir. Je suis révoltée, je me sens prisonnier dans ces rails. Donc on aurait quatre hypothèses, finalement. Dans ces quatre hypothèses, c'était un problème que chacun de nous s'est posé, sortir des rails, non? Qui s'est jamais posé ce problème? Je veux sortir des rails. Qu'est-ce qui fait qu'on sort des rails? Donc, si chacun de nous, on aime cette unicité, il est probable que chacun de nous, on ait voulu sortir des rails. C'est pas dit qu'on y arrive, parce que finalement, on est quand même assez malin. et sortir des rails, on a vu des moyens. Donc, sortir des rails.
qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'on est dans le en général. En général, les hommes, les humains aiment sortir des rails, aiment leur unicité, mais en général, est-ce qu'ils le font? Je pense qu'en général, les humains sortent des rails tout tracés. En général, hein, parce qu'il y en a évidemment quelques-uns qui sortent, mais en général, ils ne le font pas. Donc, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce qu'on voudrait être unique. On se ressemble pas mal tous là-dessus, mais en général, on ne sort pas des rails. En général, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile alors qu'on a vu des moyens? On a quatre moyens quand même pour en sortir. Et puis en général, on ne fait pas. Pourquoi c'est si difficile de sortir de ces rails, de ces croyances? Parce qu'on sort de la sécurité. Oui. Si on est comme les autres, on est dans un petit cocon quand même. Si on est, on veut faire différemment, on prend des risques. Oui. On en vient peut-être argumenter. Oui. Pardon? On prend des risques. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord déjà avec Sylviane, qu'on prend des risques quand on sort des rails? Bon. Alors, si vous êtes tous d'accord, chacun réfléchit à un risque qu'il prend, que l'humain prend quand il sort des rails. On va écouter différentes hypothèses. Il y a Benoît qui a une idée, mais on va essayer d'en avoir plusieurs. Quel risque est-ce qu'on prend quand on sort des rails? Et là, j'invite les personnes, qui sont les personnes qui n'ont rien dit encore depuis le début, qui n'a rien dit depuis le début de notre rencontre. Si tu n'as rien dit, c'est soit parce que tu penses à ce que tu vas faire, tous tes soucis, et que tu n'es pas présente, ou soit tu es très présente. Et du coup, est-ce que tu as entendu la question? Oui. Ouais. Et c'était une hypothèse ou pas? Je pense le risque de la peur ou d'être hors norme, quoi, si on sort des rails. Oui. De ne pas savoir, de pas voir ce qu'il y a au bout, quoi. Quand, là, s'il n'y a plus de rails, ça veut dire qu'on peut, voilà, foncer dans un mur. Et, enfin, les rails nous maintiennent. Oui. Et puis, ce risque, on s'interroge sur ce risque, hein, qui fait qu'on ne le fait pas. On aimerait bien, mais souvent on ne le fait pas. Oui. Donc il y a une peur. Mais ce serait quoi alors peut-être du coup le danger, puisqu'il y a un risque et un danger. Le danger, là, tu dis un mur, qu'est-ce que ça pourrait être ce mur? Donc, si on reprend l'exemple de Benoît sur les gens, qu'est-ce que ça pourrait être ce mur? L'exclusion. Oui, le mur, ça serait l'exclusion. Ça te va, le mur qu'elle propose, c'est l'exclusion. Oui, ça ouais. peut être ça, comme ouais. ça peut être quelque chose de merveilleux aussi, ou de... Ouais, ah, là, savoir, là c'est plus un risque, mais on ne sait pas. Voilà, je ne sais pas. Le mur, comme ouais. ça peut être... On ne sait pas, évidemment, sortir des rails, ça peut être l'exclusion, ça, évidemment, ça inquiète. Le risque à prendre, le danger, c'est l'exclusion. Est-ce que quelqu'un voit un autre danger, a pensé à un autre danger, Sylvia? Ça le rejoint, mais ça veut dire qu'on ne m'acceptera plus en tant qu'homme ou en tant que femme. Si j'agis, que, je ne sais pas moi, si j'ai envie de... Bah, alors maintenant, on dit que ça marche, mais une fille qui voulait jouer au foot il y a encore 20 ans, voilà, on traitait ce truc de garçon manqué. Tu as un garçon manqué si tu fais du sport, tu as un garçon manqué... voilà, surtout en fait par rapport aux activités, je dirais presque physiques, sportives, voilà. Et puis à un moment donné, les femmes qui portaient des pantalons, c'était, enfin, je veux dire, je pense aux années peut-être 20, 30, hein, c'était, voilà. Bah, tu peux aller plus loin que ça. Oui, enfin, ou plus loin, voilà. Non, mais voilà. Et pour un homme, éventuellement, c'est pareil.
si on n'a jamais vu trop d'hommes qui mettaient des jupes. Comment? Je trouve que c'est plus dans l'autre sens. L'homme que qui c'est va faire de la danse classique ou l'homme qui va... Oui, oui. Je pense, oui. Ouais, plus, je crois que oui. Ce serait plus difficile de sortir des rails genrés pour un homme, moi, il me semble, que pour une femme. Mais ça n'est oui. pas... Mais alors, le oui, risque, on a dit exclusion, et le risque de... De ne plus être reconnu en, dans son... Enfin, je veux dire, dans son appartenance aux pratiques sexuelles. Ou dans, c'est oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas comment on peut dire, dans son genre. Si tu joues au foot, tu n'es plus une fille. Oui, par exemple, si tu fais de la danse classique, voilà, un peu, enfin, c'est un peu vraiment schématisé, mais on peut le reporter à plein d'autres activités. Donc, ça, c'est un risque, tu perds une identité. Donc, exclusion, oui. Et risque de perdre une forme d'identité. Oui. La fille qui joue au foot, c'est un garçon, et le garçon qui fait de la danse, c'est une fille. Un peu, enfin voilà, on schématise. Okay. Mais voilà. Il y aurait, mais ce serait un des risques. Si tu fais ça, tu vas perdre ton identité. Si tu fais ça, tu vas être exclu. Comme un risque. Tout seul. Oui, donc exclusion. Évidemment, ce qui ne nous plaît pas dans l'exclusion, c'est la solitude. Ça, ça fait très peur. Ouais. Tiens. On va voir. Est-ce que quelqu'un aurait une autre hypothèse sur les risques qui nous font si peur et qu'en général. C'est le regard des autres. C'est par rapport aux autres qu'on. Et ce regard des autres qui aurait le pouvoir même de nous faire sortir de notre identité. Je fais de la danse, je ne suis plus un homme. Parce que s'il n'y a pas le regard des autres, on fait ce qu'on veut. Oui. Oui. Et le risque, c'est ça. Mais en quoi le regard des autres est-il risqué, après tout? C'est quoi le problème? C'est le fait de demander à l'argument. Il faut quand même vraiment argumenter et puis donc se justifier. Si on sort des rails, il faut justifier. D'accord. Oui. Se battre. Et voilà. Dire se battre, mais c'est ça. Se justifier, expliquer, argumenter. Ben voilà. Oui. Et en général, ça, l'être humain, ça fatigue. Oui, mais se justifier, argumenter, c'est. Est-ce que ça peut être. Donc, on a vu ce qui nous inquiète, hein, sortir des rails. J'essaie de rien oublier, l'exclusion, le fait qu'on nous change notre identité, le regard des autres, et la solitude. Et en plus, il va falloir que je me justifie. Maintenant, je joue au foot et je suis quand même une fille. Ça va me demander qu'ils comprennent ça, il y a du boulot, quoi. Je fais de la danse, mais je suis quand même un homme. Qu'ils le comprennent, je vais devoir mettre mes neurones en action, mais... Et donc, ce qui fait en général, on ne fait pas ça. Ouais. Quelqu'un a-t-il encore une autre raison? Non, moi, je n'ai pas une autre raison, mais c'est l'argumentation qui, de toute façon, même en justifiant, on sait qu'on ne va pas être dans une majorité, on va être toujours dans une marginalité. Donc, je pense que c'est difficile. Donc, marginalité, on revient aussi à l'exclusion. Oui, ça revient à la même chose. Ouais. D'accord. Bon, alors maintenant, on va essayer de voir si... se réconcilier avec tous ces dangers terribles de sortir des rails. Est-ce qu'on pourrait se... J'ai l'impression que t'as complètement déraillé tout le temps. Oui, il y a une expression, effectivement. Oui. De sortir des croyances. On voit les obstacles, on aimerait bien. Mais... tiens, est-ce qu'on peut se réconcilier avec le danger que voit Benoît, c'est-à-dire il va falloir que j'explique en quoi ça pourrait être quelque chose de finalement intéressant. Ce que quelqu'un voudrait. Oui. Je dirais que si on assume d'être sorti des rails, il n'y a pas besoin de se justifier. D'accord. Si on est bien... Donc c'est une critique à ce que dit Benoît, il n'y a pas besoin là-dessus. Oui, je me dis pourquoi justifier. On fait ça, c'est comme ça. D'accord. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin, enfin, pour moi, je peux dire. D'accord. Donc, si on cherche à se justifier, c'est qu'on n'est peut-être pas sûr du choix qu'on a pris. Après, si... Ouais, je vais aller ça plutôt comme d'accord. Ça. D'accord. Donc, on va voir, là, parce que c'est intéressant, là, il y a un petit problème tout à fait philosophique, tout à fait intéressant. Hein. Vous voyez le problème? Est-ce que quelqu'un pourrait le formuler? Le problème entre... j'oublie ton prénom. Martine. Entre Martine et Benoît, on voit qu'il y a deux visions qui ont toutes les deux du sens. Vous voyez, qui pourrait formuler
question là, qui est posée par les deux visions qu'ont du sens Yann. Ben, Benoît, elle cherche à convaincre. Et puis Martine, elle se dit que finalement, aller faire du football alors que je suis une fille, ben, c'est bien. Donc le fait d'aller taper dans un ballon, c'est une justification par elle-même. Il n'y a pas besoin de raisonner. Peut-être qu'en raisonnant, on cherche aussi à se convaincre soi-même avant. Ça va le problème, comme il le reformule entre les deux. Donc, finalement sortir des rails avec l'expression qu'on a prise, est-ce qu'il faut que je me justifie en expliquant aux autres? Je vais vous expliquer pourquoi. Ou bien, je n'ai rien à expliquer. Je joue au foot, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui pense plutôt comme Benoît, il faut expliquer aux autres. Ça a du sens, hein? Ou qui pense plutôt comme... excuse-moi. Martine, il n'y a rien à expliquer. Et pourquoi? Alors, on va voir. Là, on a une petite tension dialectique. C'est joli, ça. Déjà, profitez de cette question-là. C'est quand même trop joli. Non, vous avez... Vous êtes liées toutes les deux. Je veux dire, par l'affectif. Par l'affectif. Voilà, les amis qui posent des problèmes philosophiques, c'est pas joli. Alors, qui verrait plutôt comme Martine, il n'y a rien à expliquer. Et pourquoi? Pourquoi il n'y a rien à expliquer? Qui verrait plutôt comme ça? Comme Martine, et pourrait ajouter un argument qui irait dans le sens de Martine. On peut prendre le temps, hein. Ce qu'on peut faire, c'est qui, a priori, sans trop avoir réfléchi encore, pense plutôt comme Martine, qui n'a rien à justifier. Mais pour l'instant, même si vous n'avez pas d'argument, levez la main à ceux qui pensent plutôt comme elle. Et levez la main à ceux qui pensent plutôt comme Benoît, s'il faut expliquer des choses. Ah, d'accord. Mais qu'une personne. Deux. Maintenant... Alors, tu ne veux pas toute seule à penser ce que tu penses, Benoît. Je vais convaincre. Maintenant, il faut le temps de trouver l'argument. Hein. On fait la lenteur active. Quand vous avez votre idée, vous faites un petit signe de la main, je vois à peu près combien de personnes. Tant quand j'ai pas vu beaucoup de mains. Ici, Marie-Thé, Sylvia. Je vais trouver un joli argument là pour appuyer soit la proposition de Benoît, soit celle de Martine. Ah, la Jeanne aussi. Il n'y a que 3 personnes. Allez, Jeanne, alors tu appuierais plutôt quelle position? Moi, j'étais plutôt d'avis de Benoît. Ouais. Parce que, on a le droit de pas réagir comme tout le monde, mais si on veut rester dans un groupe, il faut pouvoir l'expliquer. Pouvoir, oui, convaincre, effectivement, ouais. Argumenter. Ça peut rester dans ce domaine-là. Oui. Parce que je peux être exclue, je vais aller vers les autres, je vais expliquer. Ouais. Être accepté, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Accepté et être reconnu. Comment? Pour être accepté et être reconnu. Oui. En tant que... Voilà, je fais ça, je fais de la danse, mais ça ne m'empêche pas d'être un homme. Voilà, il va falloir trouver des trucs, mais pour se faire accepter, justement. Oui. Pour rester dans un... Pour ne pas s'exclure, quand même, complètement. Mm-hmm. Enfin, c'était le danger, justement... auquel
on se sentait menacé, hein, face auquel on se sentait menacé. Est-ce que quelqu'un voudrait argumenter? Non, il n'y a rien à justifier. Juste, tu vas jouer au foot, tu fais de la danse, mais tu n'as rien à dire. Si quelqu'un voudrait argumenter. On est bien libre, quand même. Si on veut faire de la danse, on ne doit rien à personne. Ou si on veut aller jouer au ballon, on ne doit rien à personne. Tu m'embêtes personne. Sinon, si tu fais de la, si t'es un homme et que tu fais de la danse, tu t'embêtes qui? Personne. Ben non, je suis une fille, tu fais du foot, tu t'embêtes personne. Non. Pourquoi tu irais te justifier? C'est ça? T'es libre. Oui. Ouais. Ah. Alors, non. Qui d'autre voudrait argumenter la position? Il n'y a rien à dire, c'est juste. Tu fais ce que tu as à faire. Est-ce que quelqu'un voudrait la position plus de Marty? Moi, j'en reviens à je suis unique. Je fonce, je fais ce que j'ai envie, puisque je suis différente des autres, et puis je suis bien dans mes baskets, quoi. J'assume. J'assume, ça rejoint un petit peu ce que vous m'arrêtez. Hein, je suis libre, voilà, j'assume. Et lequel va se faire le mieux accepter les autres, puisqu'on disait que c'est le danger qui peut menacer celui qui sort des rails et des croyances établies. Lequel se fera mieux accepter, celui qui va s'expliquer ou celui qui assume, Catherine? Alors moi, je me mets dans la position de celui qui est témoin des deux agissements. Et moi, j'aurais besoin d'une personne qui argumente pour me rassurer. Quelqu'un qui me dit, moi j'assume, ne t'inquiète pas, ça ne me suffit pas. Donc j'aurais besoin d'une personne qui argumente. D'accord. Pourquoi tu as choisi de vivre comme ça? Rassure-moi, dis-moi que... Parce que elle peut t'inquiéter justement par son comportement. Hein, hors norme. C'est pas forcément me rassurer, et puis... Pour moi et pour l'autre, quoi, être sûr que tu as besoin d'explication. Il sait que son choix n'est pas juste un besoin d'être en décalage. D'accord. Parce qu'il y en a, ils vont dire, tout le monde fait comme ça, moi je vais faire comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce que... D'accord. Donc c'est celui qui fait comme ça, et quoi, qui s'impose, qu'est-ce qu'il fait, son truc bizarre, hein? Oui, moi je suis pas très tolérante, là, j'avoue que je... Bon, alors... Peut-être prof aussi, hein, non? Peut-être aussi. Le prof, il aime bien les explications. Oui, être sûr que la personne s'engage dans quelque chose dont elle... De toute façon, on ne peut pas toujours se dire j'agis en sachant où je vais. Hein. Comme tu dis, on va se boucher des horizons, c'est clair. Mais que quand même. Alors, est-ce que quelqu'un ne serait pas d'accord avec Catherine? Il verrait les choses très différemment. Ben moi, je voudrais bien être pas d'accord avec elle. Mais bien sûr, on est tous d'accord, mais c'est clair. Ah, mais là, en fait, un exercice qui fait qu'on. On cherche à montrer les différents points de vue. Si tout le monde est d'accord, bah, c'est bon, on va tous voir un pot. Je ne sais même pas si je suis d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un a envie de voir? Est-ce qu'on verra un problème dans ce que tu dis? D'ailleurs, est-ce que toi-même, c'est un petit exercice qu'on peut faire avec soi-même, hein? Est-ce que tu ne vois pas un problème dans ce que tu dis, Laurence? Moi, je trouve ça, des fois, c'est pas un peu bizarre, c'est pas un peu étonnant, ta façon de penser. C'est comme ça qu'on met de la souplesse dans son esprit aussi. Est-ce que quelqu'un verrait un problème, ou toi-même, Catherine? Pourquoi se justifier auprès des autres quand on fait quelque chose? Je veux dire, on n'a pas à se justifier. Non, mais les autres, là, maintenant, il faudrait essayer d'objecter à ce qu'a dit Catherine. Ce qu'elle dit, c'est rassurant. Si la personne m'explique qu'elle fait les ça. Proches, les autres, on s'en fout. Ouais. Mais voilà, en tant qu'éducatrice, ou en tant que mère responsable. Attends, pardon. Attends. Moi, j'ai le rôle ingrat un peu de. C'est bien ta précipitation, tu as dit que tu avais réfléchi ça. Ah non, moi j'avais autre chose à dire, mais pas fois. Je suis là. Attends, Sylviane, tu te souviens la dernière fois, on avait travaillé sur le silence. C'est vrai. Et ça t'avait plu, cette idée de silence? Ah oui. J'ai appliqué chez moi avec mon mari. J'ai fait mes travaux pratiques.
Et alors, c'est agréable ou pas? C'est moins conflictuel. Pas conflictuel, oui. Et alors, c'est moins conflictuel. Ben, c'est plus agréable. Alors, du coup, là, le travail, c'était d'être avec Catherine, avec son idée, de voir si on peut la critiquer. Tout le monde a en tête l'idée de Catherine? C'est rassurant. Moi, ça me rassure. Et voilà, ce serait ça peut-être le mot-clé de ce que tu as dit. Ah oui, rassurer. Rassurer. Tu veux être en décalage, mais rassure-moi. Rassure-moi, voilà. Rassure-moi. Donc, s'il y a besoin de te rassurer là-dessus, Catherine. Tu as raison. Si tu as besoin de rassurer là-dessus, ça veut dire que toi, ça t'inquiète. Il y a une inquiétude.